Bonsoir à tous, c'est Guillaume Aloisia, nous sommes le samedi 4 mai 2024 et je vous propose un huitième de finale, Paris Saint-Germain, Real Betis, ballon pied. Et on va commencer par Paris Saint-Germain, le Real Betis qui est deuxième, les gars. Ramsdale, Charbel, Brian, Berardi, Davis, Alphonso Davis, Vitinha, Lewandowski, Zébalos, Ekitike, Lopez et Lee Gang-in sur le banc de touche, inconnu au bataillon. Et du côté du Real Betis, ballon pied de Ryder, Patrice Evra, Matic, Delight, Juskos, Gvardiol, Jusko, je crois, Gvardiol, pardon, Lima. Declan Rice, Soedwald, Federico Valverde, Bukayo Saka, Jackson et Rodrigo. Gros plan sur Matisse de Ligt, retraite à la fin de saison ou non, on ne sait pas. En attendant, il est titulaire. On va vivre ça ensemble dans un instant. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de se retrouver tous ensemble pour ce match. Et on n'est pas n'importe où, on est au Parc des Princes. La team Dada est toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce bel événement. Et tout de suite, on se retrouve pour ce huitième de finale retour dans la compétition, le Paris Saint-Germain face au Bétis. Et oui, l'équipe visiteuse a obtenu un avantage à la maison au match aller. Quand vous avez 2 buts d'avance, ça va, match retour, vous faites quoi? Vous attendez, vous restez en défense, vous protégez le score? Bien sûr que non, vous appuyez encore. Les joueurs qui débutent côté PSG. Et voilà donc la composition de cette équipe. Ah, il faut centrer là-dessus. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Ah, il fera placer, ça passe tout juste à côté. Alors, c'était difficile, on a essayé avant le match d'échapper au débat à son sujet. Beaucoup pensent que ce sera sa dernière saison en pro avant la retraite. Ça va être très compliqué de le remplacer. Oui, mais il faudra bien. Son talent est peut-être unique, mais personne n'en est irremplaçable. Je suis sûr que les dirigeants travaillent déjà sur des pistes. On pourra lui succéder, mais pas le remplacer. Et le ballon sort en corner. Et ça joue sur Fede Valverde. Attention à ce ballon qui traîne. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Alphonso Davies. Lee Kang-in. Ah non, pas bien dosé ce ballon. Et ça file vers le gardien. Seyvald. Il a du soutien là pour attaquer. Dépossédé du ballon. Ceballos. Et le bon centre là peut-être. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Et hop, le danger est écarté. Et ça joue sur Fede Valverde. Et ça joue sur Saka. Ça continue avec Rice. La passe pour Seyvald. Une possibilité là pour centrer. Excellente défense dans la surface. Vitinha. Avec Zeballos. Et ça arrive pour Vitinha. Ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour le PSG. Excellente intervention. L'arbitre siffle. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et un changement côté parisien.
et c'est renvoyé par la défense. À bonne pression pour reprendre le ballon. Et bien fait, quelle ouverture! Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement ratée cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose, ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est quand même beaucoup plus grave. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Le PSG donne le coup d'envoi de cette seconde période. Bien fait ça, sans faute. Et le Bétis qui peut avancer dans le couloir. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Oui, c'est bien joué, le danger est éloigné. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. En matière de transfert, évidemment, toujours beaucoup de rumeurs. En l'occurrence, dans ce dossier, une offre aurait été formulée par le Bétis. Oui, il y a beaucoup d'agitation autour de son transfert. C'est normal quand on évoque ce genre de profil. Oh, et le ballon sur la transversale, c'est vraiment dommage. La courbe du ballon, c'est bien fait, mais il a fini sur la barre. De Ligt reçoit le ballon. Et voilà une conservation défensive pour gagner du temps. Vers Evra. Et c'est en direction de Fede Valverde. Un ballon récupéré. Lee Kang-in. Et pressing sur la relance. Une bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Il faut centrer là-dessus. Il peut frapper. C'est contré, mais ça va revenir. Oui, le tir. Ce sera donc un corner. Voilà les changements. Et on va simuler la fin du match, on a de l'avance au match aller, merci le coach Camara qui rentre, Mariti qui va rentrer, William Lenker qui va rentrer, Phil Foden qui va rentrer, Rojlund et AC qui va rentrer. Et le remplacement peut avoir lieu. Voilà. Simulé jusqu'à la fin. 0-0, on est passé. Got me in the club.
Ouais. Bonne soirée.